Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme je vous l'avais promis il y a quelques jours, quelques semaines de cela, lorsque j'avais fait la dernière course Monaco à Monte-Carlo avec la Volkswagen GTI R5, du coup j'avais perdu un moment le. J'avais fait un 180 avec la voiture. Je vous avais dit que j'essaierais de vous refaire une course bien propre, bien clean. Donc, nous revoilà, même endroit, sur une spéciale qui fait 5 km 760, je dis pas de bêtises. Et on est parti, donc toujours au volant de cette fameuse Volkswagen GTI R5. Et on est toujours dans la montagne. Alors, je vous avouerai hein, que j'ai été obligé de recommencer 4-5 fois quand même avant de réussir à faire une course qui soit vraiment propre, entre guillemets, même si c'est toujours compliqué. Mais au moins sans perdre l'adhérence et de faire un tête à queue et sans finir dans une montagne ou sur une barrière. Voilà, je vous laisse apprécier la beauté du paysage. Et le pilotage, même si c'est pas toujours aussi propre que je l'aurais voulu. Là, on voit que je me suis légèrement raté sur l'épingle. J'étais obligé de m'y reprendre presque à deux fois. J'ai du mal à la faire en une seule fois. Là, on est très 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 près du mur et de la montagne. Celle-là, ça va. Alors, elle a mieux passé. En fait, c'est tellement peu évident, j'ai tellement peur à chaque fois de d'arriver trop fort et de finir par me sortir si je freine pas. Donc des fois, alors limite, je freine des fois un peu trop. Et encore là, on est sur la partie qui est la plus sèche. Après, on va avoir, ouais, bah voilà. Quelques plaques de neige qui vont arriver. Alors là, la transition entre les deux est super dure parce qu'en fait, on est sur une très bonne adhérence et là voilà, d'un coup, la voiture part un peu en dérive à droite à gauche. Il faut se recaler dans le bain et bien réussir à s'adapter à la neige au sol. Neige verglas. Dérive à la réaccélération de la voiture. Pas évident du tout. Alors là, on était super. Enfin, j'étais super short à l'entrée de l'épingle à droite. Déjà content de ne pas avoir fini au talus. Serré, très serré. Là, ouais, comme j'arrivais beaucoup trop fort, trop en glisse, etc., j'ai essayé de bien rétrograder pour récupérer ma motricité moteur et du coup de bien freiner parce que sinon j'allais finir tout droit. De la spéciale. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Puis c'était surtout parce que je vous l'avais dit, je vous avais dit que je vous en referais une ou sans tête à queue en tout cas. Donc voilà. Allez, passez une excellente journée, à très bientôt, au revoir.